foot. Aujourd'hui, la jungle est un grand jour parce qu'on va enfin apprendre à lutter. Vous savez que j'ai commencé le MMA et s'il y a bien un truc dans lequel je suis super nul, c'est la lutte. J'arrive juste pas à comprendre comment ça marche. J'ai le sentiment que tout le monde pourrait m'emmener au sol, même ma petite sœur. Du coup, au lieu de pleurer sur mon sort, ce que j'ai décidé de faire, c'est de contacter le meilleur lutteur français actuel, Rahim. Et il va essayer de nous expliquer un peu les mécanismes, comment ça marche. Et espérons que ça va me permettre d'ajouter des flèches à mon arc. Et franchement, la jungle, je vous le dis, entre nous, j'aimerais énormément lui placer au moins un takedown. Si je réussis à l'emmener au sol, ne serait-ce qu'une fois, pour moi, c'est déjà une réussite. On va voir ce que ça va donner. Mais avant, balance le like, abonne-toi, on est bientôt 200 000. Et ça, c'est vraiment incroyable. Merci pour tout le soutien. Et c'est parti pour la vidéo. Faut que tu fasses la même. Conor McGregor. Yo la jungle, donc ici nous sommes avec Rahim. Rahim, je te laisse direct te présenter. Bon, moi, bonjour, c'est Rahim Magomedov, j'ai 19 ans, je suis sportif de haut niveau, je fais de la lutte et je suis en équipe de France à l'INSEP, je suis double champion d'Europe et champion du monde. Moi, je leur ai dit que c'est toi le meilleur lutteur de France actuel. Est-ce que j'ai menti ou est-ce que c'est vrai? Non, pas, je dirais pas le meilleur, mais je fais partie des meilleurs, c'est vrai. Ça fait plaisir. Et comment ça se fait? Tous les mecs qui sont chauds en lutte, ça finit par OV à la fin. Parce que nous, déjà, dans notre pays, la lutte, c'est le sport national. Bah, dans tous les pays de l'Est, ouais. Bah, tous les noms de famille, ça termine par OV, AV, ouais. Plein de trucs. Donc, c'est notre tradition, donc c'est pour ça qu'on se débrouille pas mal. C'est, ça veut dire, si tu vois un mec, son nom de famille, ça finit par OV, genre Nurmagomedov, toi, c'est quoi déjà? Magomedov. Tu vois les oreilles comme ça, il faut que tu te casses en fait. Bah, faut en fait, des fois ça veut rien dire parce qu'il y en a, ok, ils ont oreilles cassées, ils sont un peu bœuf, mais tu vois, ça veut rien dire. En compète, moi je rencontrais des lutteurs oreilles cassées, ils étaient nuls, tu vois. Ah ouais? Bah oui. Faut pas se fier aux apparences. Est-ce que moi j'aurais aussi les oreilles comme ça si genre je fais du MMA, je continue et tout? Ouais, je pense, parce qu'en MMA il y a de la lutte, ouais. Ça va frotter et il aura des choux après. Et ça fait très mal. Mais toi, t'as eu ça quand? Ça met combien de temps à venir? Moi, j'étais à Dijon, j'étais en Pôle France, je faisais mes débuts en équipe de France, j'avais 14 ans, 15 ans. Et bah, du coup, j'ai eu des choux là-bas, j'avais des oreilles énormes. Bah, après, piqûre, hein, seringue. T'enlèves le sang. Et... Ça fait mal, ça? Ah, ça fait grave mal. Je pense que je préfère me casser une jambe qu'au lieu d'avoir ça. Parce que ça, à peine, tu luttes, tu fais ça, ça t'énerve direct et tu sors de ton match. Donc, ça fait vraiment mal. Hein. Non, c'est bien comme non, ça. Non, faut que je garde comme ça. Il faut que tu gardes comme ça. Ouais. Bah, du coup, moi, je suis venu te voir aujourd'hui parce que t'as vu, quand je fais du MMA, quand c'est du striking en boxe, je me sens assez à l'aise, je me sens bien, je m'amuse, tu vois. C'est la lutte, c'est le problème. Dès que ça vient en lutte, dès qu'il veut m'emmener au sol, dès que moi j'essaye de l'emmener au sol, ouais. Ça se passe mal. Tout le monde peut m'emmener au sol, donc je suis venu te voir toi. Genre là, dis-toi un exemple. J'ai fait un petit sparring avec mon pote Solid Mike. Ouais. J'ai voulu l'emmener au sol. Après, je voulais me relever, tu vois. Ouais. Et lui, il me tenait là. Je te jure, gros, jour d'aujourd'hui, j'ai mal au cervical, frère. En fait, quand t'attaques, faut que t'as la tête levée déjà. Ouais. On va pas attaquer comme ça. Ouais. Déjà, tu vas te faire mal en bas du dos aussi. Ouais. Donc, quand t'attaques. Tu vois, faut que tu rentres ta tête, tu vois, comme une tortue. Okay. Tu rentres en plein thorax et tu l'arraches la tenue, tu l'arraches le torse, tu rentres comme ça. Ok, vas-y. Tu veux que je te montre? Non, pas direct. Est-ce que déjà, toi, je vais réussir à t'emmener au sol aujourd'hui? Je suis quelqu'un de humble, tu vois, mais... Ouais. Non. Tu penses que c'est mort? Même une fois, gros. Zéro. Tu mets pas un point aujourd'hui. Une fois, juste t'emmener au sol. Non. Oh, ils me sous-estiment, les gars. Tu me sous-estimes, là. Vas-y, on verra, de toute façon, on va faire. Vas-y. Ok, Tarzan, donc là, je vais t'apprendre les bases de la lutte. D'abord, il y a l'attaque aux jambes. Il y a, chez nous, on appelle esquive. En MMA, on dit sprawl, non? Ouais. Ouais, on dit sprawl. Et après, la garde. Donc, savoir se déplacer. La garde, comme ça. Tu vois, sur ses appuis avant. Si tu veux déclencher une attaque, je te montrerai l'attaque. En garde, ouais. Un pied devant. Ouais. Faut que tu sois bien solide dessus. Donc le gauche à chaque fois devant. T'es gaucher ou droitier? Je suis droitier, moi. Droite devant, alors. Droite devant? Ouais. Ah ouais. C'est l'inverse, en fait, qu'en striking. Ah ouais, vous, c'est si t'es gaucher, bah, si t'es droitier, tu mets ça devant. Ouais, normalement, en striking, la jambe avant, c'est la gauche. Ouais. Si je suis droitier. Ah bah nous, c'est différent. Okay. Si t'es droitier, jambe droite devant. Ok. Donc, la base de l'attaque, faut que tu saches faire un pied-genou. Tu sais faire pied-genou? Non, je sais même pas c'est quoi, gros. Bah d'abord, t'es là, tu mets pied. Genou, pied, et tu te lèves. Ok, donc là, on est là, hop, pied, genou. Non, ce genou en premier, là. Pied et tête droite aussi. Ok. Tête levée. Pied, genou, et pied. Et après, en situation réelle, ça fait ça. Et la main aussi, ouais. Faut que, comme une lance, bah, faut que tu la jettes. Là, ça fait ça. Wouah!
En fait, faut que t'exploses, tu vois. C'est une dinguerie, comment et, t'as et ton fait pied vite. Derrière, il te pousse, tu vois. La main sur la tête ou ici, sur le triceps, pour, tu vois, si t'es en garde. Ouais. Du coup, ça fait ça, si on fait rapide. C'est un truc de fou. T'as réussi à choper l'image. Vous êtes derrière la caméra, vous le sentez pas, mais il est grave dur. Il est grave dur quand tu le chopes. Mais ça aussi, c'est vrai. Comment ça se fait que les lutteurs, ils ont tous des physiques de fou, genre? Franchement, je sais pas. Je pense que c'est la morphologie. Hein. Tous les gars de l'Est, ils ont tous, tu sais, un peu trapu, petit, tu vois, tout bœuf comme ça. Ouais. Après, il y a des longélines aussi, mais... Il y en a moins, non? Ouais, il y en a beaucoup moins. T'as vu, les trapus, les géorgiens, azères, tchétchènes, russes, tous comme ça, tu vois. C'est notre point fort, on va dire. Ouais, voilà. Un peu comme ça. Ouais, tu vois, tranquille. Mais ça met une pression dans le genou, genre. Ouais, parce c'est normal, pas habitué. Nous, les lutteurs, tu peux remarquer, sur les genoux, on n'a pas de poils. Force de frotter. Oh, ouais. Tu vois, ça, en fait, c'est tranquille. Tu vois, tout lentement. Pied, genou, pied. Ouais. Ça va, non? Ouais. Vas-y, refais. J'ai ça dans le sang, mon gars. Ah ouais. Vas-y, un peu plus rapide. Vas-y. On est là. Ouais, parfait. Qui c'est maintenant, qui avec la main. Comme ça? Pas la tête comme ça. La tête, tu la gardes droite. Parce que regarde, si j'attaque, si je fais ça, tu vois, si je suis comme ça là-bas. Ouais, ça le fait pas. Défoncer, il faut que tu sois collé. Ouais. Hop. J'arrive pas à faire 10 000 trucs en même temps, frère. Ouais, j'avoue. Il faut que tu gardes la tête droite. Pourquoi je fais ça? Tu sais, pourquoi je fais ça? Parce que t'es pas habitué, mais t'inquiète, on va réussir. Comme ça? Ouais, voilà. Toi, là, ça fait combien d'années que tu fais de la lutte? Moi, là, ça va faire ma 11e année. 11 ans que je fais de la lutte, ouais. T'as commencé à quel âge, du coup? J'ai commencé à 8 ans. C'est vrai, on n'a même pas dit, mais t'as seulement 19 ans, j'ai là. J'ai 19 ans, ouais, c'est ça. Moi, j'ai le sentiment que tous les gros lutteurs, les champions, tout ça, ils ont tous commencé très tôt. Bah, en fait, la lutte, c'est un sport. Si tu commences pas tôt, après, c'est trop tard. Même si t'as fait d'autres sports à côté, si t'as pas fait de la lutte depuis tout petit, par exemple, toi, t'as 26 ans. Si tu fais de la lutte là, tu feras jamais, c'est pas pour être méchant, mais faire haut niveau, ça va vraiment être très dur. Ah, tu pourras pas faire du haut niveau. Du coup, il faut commencer depuis tout petit. Tu fais des compètes, t'acquiers de l'expérience. Et après, là, tu peux faire les championnats d'Europe, championnats du monde. Ouais, sinon, tu peux pas... Sinon, c'est trop dur si tu commences à 26 ans. C'est trop tard. Mais là, ça veut dire, moi, ça me servirait à rien maintenant, par exemple, de m'inscrire dans un club de... Mais est-ce que tu veux faire du haut niveau, déjà? Non, bah non. Non, bah là si, pour... Pour le MMA, ouais, juste. Pour le MMA, bien sûr que tu peux. Pour le loisir, MMA. Pour le MMA, ouais, tu peux. Avoir un petit niveau en lutte, tu vois. Ouais, tu peux. Mais par contre, tu feras jamais du haut niveau en lutte, tu vois. Quand tu rentres, faut que ça fasse ça, tu vois. Tu lèves, ça fait ça. Hop. Ouais. Tu vois, ici, t'es collé. Et après, tu vois, la main qui est rentrée là, tu la laisses au genou. Et après, ça change, tu vois, ça fait hop. Tu vois, c'est là. Ça fait comme ça. Oh, c'est complexe. Mais non, c'est pas complexe. Faut juste un peu de coordination. Du coup, ça donne ça. Mmh. Tu vois, un peu plus rapide. Comment je sens la pression, mon gars. Ça va rentrer, ça va rentrer. Là, il y a plein de gars qui nous regardent. J'ai juré, il y a personne qui fait rien avec lui en lutte. Hop. Ouvre. C'est ça, tu changes, ouais. Là, hop. Exactement. Bah, c'est bon, ça rentre. Je suis chaud ou pas? Bah ouais. Je me concentre de ouf. Parfait. C'est la meilleure que t'as fait. Ah ouais? Ouais. Concentration. Concentration. Bon. Bah regarde, tu te reconcentres et tu fais pareil. Vas-y. Vas-y. Ça passe. Elle était bien. Je suis content. Parfait. Des fois, il y en a, ils vont te faire des feintes, tu vois, comme ça. Ouais. Ça va te faire réagir, tu vois. Vas-y, mets-moi une feinte. Des fois, il y en a, tu vois, ils vont faire ça, tu vois, ils vont reculer ou ils vont se mettre à genoux comme ça. Ou ils vont faire ça, tu vois, ils vont faire une esquive, ils vont tourner autour. Ça, il m'avait appris, Elgin. Et aussi, tu vois, par exemple, rentre sur ma jambe, tu vois, il y en a, ils vont faire ça aussi. Ouais. Et du coup, après, je dois revenir encore. Il faut que tu reviennes, exactement. Et tu vois, là, il y en a, ils vont te bloquer là. Et là, je peux rien faire. Là, tu peux, il faut que tu lèves. Genre là, si je fais ça en mode. Là, t'arriveras pas à lever parce que je défends aussi. Tu vois, là, je vais te jeter en cuisse. Arbour. Tu vois, là, ça fait 2 points. Mais pour toi? Ouais, à 2 points pour moi, vu que c'est moi qui te jette. Et à combien de points ça s'arrête? Bah, t'as soit 10-0 avant la fin du temps imparti. Ouais. Soit, bah, par exemple, si je gagne 6 et toi, t'as 3, celui qui a le plus de points, il gagne. Ou sinon, tomber. Tu gardes ton adversaire 3 secondes sur le dos. Ah, ok, donc il y a plusieurs façons de gagner. Il y a plusieurs façons, ouais. Donc tu peux être à, par exemple, 6-3. Non, tu peux être, par exemple, presque égalité. Non, tu peux même perdre. Par exemple, je peux perdre 9-0. Ouais. Si je te touche, je te gagne. 3-2-1. Tu tiens 3 secondes sur le dos, t'as perdu. Ah, ça t'est déjà arrivé? De perdre comme ça? Non, de gagner comme ça. Non. Que t'étais dominé et t'as fait ça?
Non, j'ai pas, non, pas comme ça. Okay. Mais ça m'est déjà arrivé, je perdais au début et je gagne à la fin, je remonte okay. le score. C'est quoi ton rêve, genre, qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, mes prochains objectifs de la saison, c'est refaire champion d'Europe, champion du monde, garder mes titres. Et après, mon rêve, bah, comme tout sportif, hein, champion olympique. Gagner les Jeux olympiques. Gagner les Jeux olympiques, en plus, c'est à Paris, c'est à la maison, donc c'est magnifique. Donc, avant, je sais pas c'était quand, mais c'était il y a vraiment longtemps. Ouais. Et là, c'est une chance de... Je crois que c'était en 1993. Et du coup, ce sera quand les JO, là, maintenant En 2024, l'été prochain. Et toi, tu participes? En septembre, il faut déjà que je sois numéro 1 français. Ouais. Et en septembre, il y aura les championnats du monde et il faut finir dans les 5 premiers. Et si je finis pas dans les 5 premiers, en mars et en avril, il y a des tournois, ça s'appelle des Tekkyo. Ouais. C'est pour se qualifier aux Jeux. Ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier aux championnats du monde, bah, faut être finaliste. Les deux premiers, ils prennent. Et si tu es qualifié aux JO, vous êtes combien à vous affronter? Je sais pas si tu vois ce que ouais, je veux dans dire. Dans chaque catégorie, on est 16. 16 quand ouais. même. Après, les Américains ils se qualifient de leur côté. Si par exemple, ils ne sont pas qualifiés au championnat du monde. Mm-hmm. Après, les Africains de leur côté. Après, il y a le championnat d'Asie. C'est une dinguerie quand même. Ça veut dire, genre, tu vas devoir affronter en mode des Américains, des ouais, tout le monde. Et toi, tu représentes la France. Et moi, je représente la France. Ouais. Ah, la dinguerie. Bah, on te souhaite. Pas de... magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, hein. Faut que tu ramènes la médaille ouais. d'or, hein. Ouais, j'ai pas de médaille d'argent ni de bronze que la médaille d'or. Et j'aurai 20 ans, ouais. Ouais, Inch'Allah, on te souhaite, envoie-lui de la force. Ouais, on te souhaite de la force. Regarde, Rahim, je vais te montrer, par exemple, à chaque fois que je fais un sparring, je me fais emmener au sol. Et ça me rend dingue. Vas-y, montre-moi. Regarde là, par exemple, contre Stéphane NFC. Wow, comment il est bœuf! C'est quoi ça? T'as vu, il est énorme. C'est ouais, il est énorme et sec. C'est un bodybuilder professionnel. Ouais, ah là, il y a une. Mais tu vois, ces gens-là, eux, ils ont pas de mobilité. Comme ça, il peut. Lui, ça va, il était mobile. Ah ouais, là. Il était mobile. Mais il sautait de partout et bah, tout. Moi, je suis souple. Ouais. Regarde, je suis gros, moi. Mm. Je t'ai fait des trucs de fou. Bien sûr. Ma tête, les jambes. Tu vois, je peux presque faire le grand écart. Ah ouais, trucs, vas-y, quoi. Fais. Grand écart. C'est chaud encore, mais. Ah ouais. Tu vois, je peux mettre ma tête là, ici. C'est une dinguerie. Tu vois, en fait, les lutteurs, on est souple de fou. On dirait on pas puissant, en plus. Souple. On a tout. Toutes les qualités, on a chez un lutteur. Hop. Ouais, mais déjà, là, t'as même pas de garde. Regarde ta garde. T'es ouais, comme... c'est vrai. Je même pense... en MMA, t'es comme ça, tu vois. Ouais. Et nous, bah, la lutte, là... Si, il en fait, fait ça, on lutte. Pas. En plus, lui, il fait ça, on lutte tête baissée comme ça. Oh, il va se manger une boîte, hein, en quatre... Bah, tu le jettes, toi, il t'aurait pas emmené, là. Mais non, là, jamais de la vie. Il se prend quatre, je le jette en l'air, là. Ouais, mais il fait quand même genre 115 kilos. Hein. Ça veut rien dire le poids. Et ah même ouais avec l'élan, là, il va voler comme une mouche. Hein. Toi, Rahim, t'es tchétchène aussi. Ouais, tchétchène, ouais. Moi, j'ai un très bon ami tchétchène, il s'appelle Baki Bayzangour. Tout le monde parle de lui en ce moment. Mais lui, c'est vraiment du MMA. Qu'est-ce que tu penses, toi, de lui, par exemple? Bah, déjà, hier, j'étais à son combat. Il a éteint son adversaire, il a rien à dire, il a amoché. Moi, je l'ai toujours dit, hein, quand la première fois que j'ai vu combattre Bayzangour, franchement, ouais, j'étais choqué. Il a 20 ans, 21 ans. Ouais. Ouais, il était un tout le monde et moi, pour moi, je pense, c'est future star de l'UFC. Hein. Ouais. C'est un animal, il est trop fort. Inch'Allah, je pense. Donc, ouais, aussi. Je lui souhaite tout le meilleur et force, frérot. Ça va le faire. Et entre nous, là, est-ce que tu penses qu'il pourrait, lui, t'emmener au sol, par exemple? En lutte? En lutte pure. En lutte pure, je sais pas, mais après, c'est pas son sport. C'est comme ouais si je te dis, moi, est-ce qu'en MMA, je peux lui mettre des coups, tu vois? Ouais, donc, je capte. Ça a rien à voir. Donc, chacun dans son sport. Et après, s'il veut venir faire de la lutte, avec plaisir. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu le prépares un peu. Ouais, moi, ça me dérange pas de le préparer, de lui donner des petits conseils. Après, je pense pas qu'il en ait forcément besoin, ouais, de son niveau, mais ouais, si jamais il a besoin d'aide, je suis là. En fait, si t'as pas de lutte, c'est dur de striker. Tu vois? Hop. Ah, mais même là, t'as pas de garde. Donc, t'es déséquilibré, t'es comme ça. T'as chopé la jambe, t'étais déjà là. Ouais, ouais. Là, même moi, si ici, j'ai pas de garde, ouais, je suis là. Moi, j'arriverai à me rattraper, mais c'est dur quand même. Ouais. Pour moi et pour ceux qui nous regardent, là, un mec, il est déter, il veut t'emmener au sol, il te fonce dessus. Je fais quoi? Alors moi, déjà, en ouais lutte, on est en garde comme ça. Vas-y, attends. Ouais. Tu vois, déjà, même avec ma tête, je te bloque, là, tu vois. Ouais. Et ta tête, tu fais quoi? Tu fais en comme fait, ça? En fait, je reste en garde. Ouais, torture. Vas-y, comme je viens, ça j'essaie de te mettre la tête. Regarde. Mets la tête. Comme ça, là, genre. Comment tu veux que j'attends? Regarde, c'est dur, comme ça. Ouais, mais après, avec les mains, tu restes pas en arrière. Regarde, t'es là avec les mains. Viens, on garde comme ouais ça. Vas-y, essaie de rentrer. Là, tu peux pas, frère. Ouais, ouais. Même, regarde, là, je suis en garde. Ouais. Et après, moi, de là, tu vois. Bam. Il y a plein tu de... Tu vas pour le pied. Les chevilles. Moi, en fait, mon point fort en lutte, c'est que moi, je suis quelqu'un... Tu vois, je suis lourd. Ouais. J'ai un peu une lutte de léger, tu vois. Je suis mobile, tu vois. Ouais. Là, je vais derrière. Et moi, j'arrive à rentrer dans les chevilles, tu vois. Tu sautes, genre. Pas sauter, tu vois. Tu te déplaces, tu fais ça.
déjà, si tu veux pas te faire emmener au sol, faut que sur la garde, tu sois super fort. Nous, en lutte, si t'es nul sur la garde, on va tout le temps t'attraper les jambes. Ouais. C'est-à-dire, nous, en lutte, tu vois, on est tout le temps là. Ouais. Le plus important, nous, c'est pas forcément d'attaquer, tu vois. C'est sur la garde, t'es fort, bam, tu rentres en bas. Une fois que sur la garde, tu lui fais la misère, là, tu peux rentrer dans les jambes. Mais est-ce que... Par exemple, regarde, toi, tu veux rentrer, moi, tu vois, sur la garde, je te laisse pas, tu vois, je t'appuie sur la tête, je te bouge, tu vois, je fais ça. Tu vois, là, je te tiens ici, tu vois, tu peux pas. Et même avec ma tête, tu vois, je te bloque ici. Ouais. Mais moi, je peux faire pareil que toi, alors. Ben oui. C'est celui qui craque en premier. Ça joue le mental. Tu vois, ça se rentre, ça se met des tares, ça se pousse et tout. Ouais. Celui qui craque, voilà, il craque. Toi, tu craques pas. Jamais. T'es fou, jamais. Moi, tout le temps, je suis tout le temps là. Tête dure comme ça en face. Et s'il faut rentrer, tu vois. Aussi, il faut faire attention parce qu'il y en a quand t'es en garde. Ouais. Ils aiment bien faire ça, tu vois. Là, ils sont là, ils voient que c'est 50-50. Ouais. Tu vois, ils font ça, ils se mettent là. Ouais. Bam! Ouais, mais toi tu le sais qu'ils vont faire ça. Bah ouais, justement, c'est pour ça que quand ils font ça, regarde, vas-y, fais genre, tu vas en arrière, tu vois, je me mets direct là. Ouais. Tête ici, même s'il met un coup, tu vois, il m'ouvre l'arcade, je m'en fous, je laisse ma tête là, et je mets ma main ici, tu vois, comme ça. Ah je reste droit devant. Toi là, tu rentres pas, frère. Comment t'as la tête dure, c'est un truc de ouf. Là, tu rentres pas si tu veux. Comment tu fais? C'est avec la nuque, tu sais, quand l'échauffement, les 8 heures, on s'échauffe. Ouais. Tu mets la tête par terre, tu fais des exercices comme ça. Là, c'est en lutte pure. Ouais. Imagine, là, on est en MMA. Moi, c'est avec le MMA que je parle, donc on est là, striking. Ouais. Comment tu fais, genre là, le gars, il vient, hop. Comment tu fais? Tu vois, par exemple, si l'autre, il se baisse, tu te baisses aussi. Okay. Tu vois, par exemple, je vais faire ça, je me baisse. Ouais. Tu vois, si tu restes en haut, moi, je me baisse, là, tes jambes, regarde, je me baisse, baisse-toi. Non, à ma hauteur, tu vois. Ouais. Mais pas comme ça. Comme ça, tu vois, devant un peu. Ah, comme ça? Ouais. Tu vois, t'es là, je peux pas rentrer, il y a ta tête, il y a ça. Alors que ça veut dire, si tu restes en haut. Ouais. Tu vois, là, j'ai tout, il n'y a pas de garde, il n'y a rien. Ah, c'est ça mon problème. Ça veut dire, c'est que moi, je suis comme ça. Il est comme ça. Regarde, on va le faire. Tu vois, l'autre, il est comme ça. Bam. Tu te baisses aussi, t'es prêt à faire ça, tu vois, esquive. Ouais. Tu vois ou pas? Ok, donc t'aurais fait comme ça. Bah oui, l'autre, vas-y. Vas-y, viens là, on est en striking. On est là, striking. Hop. Ok. Je t'ai même relancé. Tu vois, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu penses de la lutte en MMA? Est-ce que toi, tu penses que ce serait le truc où faudrait être spécialiste pour prendre l'avantage? Comme par exemple, t'avais Khabib Nurmagomedov, il a dominé tout le monde grâce à sa lutte, ou t'en as d'autres? Comme Hamzat Chimaev. Aussi. Moi, je pense que la lutte, en MMA, c'est obligatoire si t'as pas de lutte. C'est vraiment dur. Même en strength kick, tu peux pas être très bon, mais si t'as de la lutte, tu peux te sortir des situations, tu vois. Donc, même sur tous les champions du UFC, la plupart, c'est des lutteurs. Sur 8 champions, je crois, il y en a 6. Ouais, la plupart, je crois, il y a que Adesanya qui est pas lutteur, mais la plupart, c'est il a une bonne défense. Imagine, là, demain, tu reçois un appel, alors que t'es lutteur. On te dit, viens, 100 000 euros, tu fais un combat comme ça, direct. Là, en short notice. Là, direct. Genre, sans jamais faire de striking. Là, t'as pas fait de striking, t'as que la lutte. 100 000 euros, c'est pas rien. Moi, je pense, je tente ma chance. Je pense, je l'emmène au sol. Et après, au sol, je pense, j'arriverai à me débrouiller, tu vois. Je le monte en l'air, je le jette dans tous les sens. Ouais. Après, par contre, faut que, sur la garde, faut pas que je me prenne des coups. Ouais. Donc, je pense, stratégie, je l'emmène au sol et je le garde au sol. Est-ce que ça te plairait? Parce que là, t'as 19 ans. Si en 2024, Inch'Allah, tout se passe bien, tu prends la médaille d'or, ça va être quoi l'objectif après? Regagner les JO ou est-ce que tu penses déjà, je fais Paris 2024, après je fais Los Angeles en 2028, après pourquoi pas MMA, j'essayerai, tu vois. Ouais. Tu transitionnes. Ouais, voilà, faut essayer des choses dans la vie, donc je pense que MMA, ça peut être pas mal. Ok, donc t'es pas fermé à l'idée, quoi. Non, pas du tout. Celui-là, j'ai fait champion d'Europe. Et celui-là, j'ai fait champion du monde. Incroyable, félicitations. Tu veux lequel, champion d'Europe ou champion du monde? Vas-y, champion d'Europe. C'est pourquoi? Champion pourquoi? Parce que genre là c'est notre première vidéo ensemble, tu vois. OK. Comme prochain, ça tu prendras champion. Tu vois, on commence léger. OK. Après on est champion du monde. OK. T'es chaud, on refait une fois une vidéo? Grave chaud. Dites-nous si vous voulez. Attends, si je m'améliore. Vas-y. C'est partie 2, moi je suis chaud, hein. Cette fois-ci on fera l'INSEP. Ah ouais. L'INSEP, pas n'importe qui, hein. Pas n'importe qui peut rentrer, hein. Bon, là, les gars, on s'est mis en condition avec les vrais maillots, tu vois, comme des vrais lutteurs. Un combat de lutte, ça dure 2 fois 3 minutes avec 30 secondes de pause. Ouais. On va faire ça, du coup? On va faire ça, ouais. Condition réelle. Condition réelle. Tu vois, un vrai match de lutte. Exactement. Du coup, il va voir que ça va bien pomper. Et... Ouais, ça va être dur. Ouais. Physiquement, mentalement. Et là, d'abord, j'essaye de t'emmener les 3 premières minutes. 3 premières minutes, on va dire la première mi-temps, il va essayer de faire ce qu'on a vu. Ouais. Deuxième mi-temps, ce sera à moi. Bon, tu feras tous les deux. Ouais. Mais là, j'attaquerai moi aussi. Là, t'as le droit que de défendre et les 2-3 dernières, t'as le droit de m'emmener. Voilà. Mais donc, toi, t'es sûr qu'il n'y a pas moyen que je t'emmène? Non.
Mais tu sais que ça me fait halluciner, ça. Tu mettras pas, frère. Vas-y, de toute façon, tu verras. Vas-y. Mais je me dis pourquoi pas, tu vois. Bah, tu verras pourquoi. Frère, je fais 84 kilos. Et je fais 90. Ah ouais. J'ai un peu plus lourd. Bah, vas-y, viens, on essaie. Regarde, ça démarre au milieu. Ici? Bah, on serre la main. Juste comme ça? Juste comme ça. Après, il y a l'arbitre, mais là, il n'y a pas d'arbitre. Et par exemple, si tu me sors du tapis, t'as un point. Ah ouais, ouais. Mais viens, on va là, alors. Bah non, c'est de la triche, sinon. Pourquoi? Bah, on va pas commencer là. On commence au milieu un match. Et après, on se déplace partout, genre? Bah oui, après, ça combat, quoi. Partout. Ah ouais. Ouais. Mais si on est là, genre, on rentre là, par exemple. Sinon, on peut pas démarrer de là. Ok, donc là, on démarre, on est ici. On est là, mais et si après, on finit va se retrouver là. Là-bas. Imagine, on finit là et je te sors de là, j'ai un point. T'as un point, ouais. Tu penses ça, je peux y arriver, ça, au moins. Même ça, Tu me feras pas bouger d'ici. Je reste en face de toi. Tu te prends pour Son Goku, quoi. Vas-y, tu verras. Vas-y. Bonne chance à toi. Vas-y, merci. Mais faut que tu me rentres dedans. Mais je... Ah, ok, vas-y, ok. Tu vois. Vas-y. Mais moi aussi, je peux prendre ta tête. Ouais, mais c'est toi qui attaques, c'est pas moi. Moi, je défends. Toi, tu connais pas Bulky Daddy. Faut pas que tu me laisses poser les mains sur ta tête. Ok. Sinon, je vais t'emmener tout le temps. Ok. Bas. Ton micro. Ouais. T'as pas le droit, frère. Mais j'ai défendu, là. Ah, j'ai ok, pas attaqué. Vas-y, vas-y. Wesh, tu m'as balancé comme si j'étais... Vas-y, faut que t'attaques, vas-y, rentre. J'essaie de te piéger. Je suis mort. On est à combien? Pourquoi j'arrive pas à te faire ce que tu m'as appris? Parce que sur la gare, tu fais rien sur la gare, tu rentres comme ça. Et alors? On lève même pas les mains. Ok. Faut que tu m'enlèves les mains et que tu rentres. Ok. Tu vois, regarde. Là, ouais. Tu m'enlèves pas les bras, tu veux rentrer. Comme ça, faut que je fasse, genre. Ouais, voilà, tu vois, faut que tu les enlèves. Voilà. Là, j'y ai cru. J'y ai cru. Ah. Voilà, il y a 30 secondes de fois. J'ai voulu piéger. Tiens. Maintenant, genre... Oh, je suis KO, gros. Ma jambe droite. Touche. Elle est pumpée de ouf. Ça va? Mais je suis choqué. Quand je prends le micro, il est parti. On défonce le matériel pour vous faire kiffer. Balancez le like. Je perds l'oseille et je perds aussi ma santé, mon bref. Ouais, ça va, c'est bien ça. Non, ça va. Mais ça m'a choqué un peu. Ça,
Ouais, ça va. Dieu qui tue. J'ai réussi. C'est un cauchemar, gros. Je t'ai dit, en plus, là, on a fait tranquille encore. Hein. Ouais, ouais, je sais. Je sais que t'as fait tranquille. Dedans, hein. Et je me suis pété le pouce. Ça mais c'est pas grave. C'est la vie. C'est comme ça. Ouais. On apprend comme ça. Comment j'ai transpiré, ouais, mon gars. Pour la partie 2, il aura progressé, donc là, il pourra faire un vrai combat. Du coup, là, toi, Rahim, si je peux poser cette question. Aujourd'hui, tu arrives à vivre pleinement de ça, de la lutte, de tout ça, quoi. Ouais, nous, en lutte, quand tu fais des médailles, déjà, tu as des primes à la performance. Et aussi, on a la chance d'avoir des contrats, des entreprises qui nous accompagnent. Mais il faut vraiment avoir fait des médailles, tu vois, au monde, aux Europes. Et bah, si tu fais des médailles, tu as des primes, tu as des contrats, tu as des sponsors, tu as un peu de tout. Et moi, je suis bien, je n'ai pas à me plaindre. J'ai 19 ans, donc voilà, j'ai pas besoin de grand chose. Hein. Je suis nourri, logé, donc. Alhamdoulilah. Et ouais, est-ce que t'as la pression un peu de, par exemple, entraînement ou en compète? En compète, genre d'avoir tout ça sur tes épaules, parce que qu'est-ce qui se passerait? Je dis dans le pire des cas, hein, bien sûr, on te le souhaite pas du tout. Mais imagine, tu finis cinquième. Genre à une compète, genre ouais. Championnat d'Europe, championnat du monde. Exact, ou même aux Jeux Olympiques. Ça pique, ça fait mal. Parce que tu sais que tu t'es entraîné dur toute ta vie, tu t'es préparé longtemps pour ce moment-là. Et ouais, si tu gagnes pas. Ouais, tu t'en veux, hein. Ouais. Ouais, tu te dis, oh, pourquoi j'ai fait tout ça? Tu te remets en question un peu aussi. Ouais, c'est dur, hein, dans la tête, hein, faut être fort. Est-ce que t'as déjà connu, par exemple, ça, par exemple, d'avoir une défaite et que d'un coup, tout le monde te tourne le dos, par exemple? Une défaite, non, mais si, quand même. Bah, quand tu fais troisième, tu fais pas premier, tu vois, deuxième, troisième. Bah, il y a que moi, il y a que mes parents et mes potes proches, tu vois, qui m'envoyaient des messages et tous les autres, bah... Calcule pas, tu vois. Ah ouais. Et quand tu gagnes, ils reviennent. Ouais. Même quand tu te blesses, t'es tout seul. Ça t'est arrivé, ça, par exemple? Ouais, moi, première année à l'INSEF, j'avais 15 ans. Je me fais les croiser. Et à 15 ans, t'es tout seul. Personne ne s'occupe de toi. Après, moi, j'avais de la chance parce que mes coachs, ils s'occupaient de moi. Ils étaient là quand même. Et après, bah, tu fais ta rééducation tout seul. À l'entraînement, t'es sur le côté. Tu regardes les autres faire. Et tu cogites toute la journée. Donc, mais après, moi, j'ai de la chance. Parce que moi, je suis quelqu'un de déterminé et motivé, c'est-à-dire j'essayais de faire plus que les autres, tu vois. Même quand j'étais blessé, eux, ils sortaient, moi, je restais, tu vois, je faisais encore. Et après, moi, quand je reviens de blessure, c'est là où je suis le plus fort. À chaque fois que j'ai performé, j'ai fait champion du monde, champion d'Europe, je suis revenu de blessure. Ah ouais. En fait, c'est ça, mon plus fort. Peut-être que tu as l'impression que tu as quelque chose à prouver. Ouais, c'est ça. Déjà, je vais en faire mes parents, ma famille, mes coachs, tout le monde. Moi, en fait, j'attendais la position parfaite, que je mette ma main sur ton triceps, ouais, que je... Bah tu non, vois, c'est pas comme ça. En fait, il faut que tu essaies d'emmener le gars dans cette position-là, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire que tu dois le bouger, tu dois le feinter, pour qu'il pose les mains là où tu veux. Mais honnêtement, je préfère quand même le striking. Bah, moi, je te... Bah oui, après, c'est plus... Ouais. Mais non, parce que lui, toi, en lutte, quand il y a deux mecs qui s'est lutté, genre pour de vrai, tu vois, ça part dans tous les côtés, tu vois, c'est beau à voir. Ouais. Et le striking aussi, c'est beau, mais moi je préfère la lutte, ça va dans tous les côtés, ça jette de partout. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, viens, prochaine fois, on fait un sparring de MMA, genre. Vas-y, je suis grave chaud. T'es chaud? Ouais. En mode on strike aussi. Ouais, grave. Si t'arrives à m'emmener au sol, tant mieux, tu vois. Bah, moi je vais t'attaquer de loin, là, je vais faire genre 2-3 coups et je rentre dans les jambes. Ouais, mais après j'aurai du jiu-jitsu et tout, gros. Ah, vas-y. T'inquiète pas, là que j'apprends le jiu-jitsu, je te mets une soumission. Non, je suis plus lourd, regarde, je suis physique, moi. Ouais, c'est vrai, mais j'abandonnerai. C'est vrai, c'est franchement, les gars, faites de la lutte. Mais pourquoi faire de la muscu si tu peux faire de la lutte? Que la lutte, ça suffit pas. Faut de la muscu à côté quand même. Ouais. Parce que des fois, les gens d'à côté, ils sont vraiment physiques. Et toi, peut-être tu fais 79 kilos, l'autre, ils vont en faire 85 et ils descendent 79. Ouais. Tu vois, donc, ça veut dire il est bien bœuf. Ben, comme vous, MMA, cutting et tout. Là. Et après, nous, la lutte à côté, il faut de la muscu pour soulever des charges lourdes. Et même, tu vois, quand tu rentres dans la jambe de ton adversaire, le monter, tu vois. Toi, tu fais combien de fois de la muscu par semaine? 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, samedi. Depuis combien de temps déjà? 3-4 ans. Quand même. Hein. C'est quoi tes max? Squat, deadlift et bench. Pas squat, vous faites pas de squat? Développé
couché, c'est 160 en une rep. Pour toi? Ouais. C'est énorme, gros. Ouais, en fait, mes bras, ils sont presque plus puissants que mes jambes. C'est un truc de ouf. Et en soulevé de terre, une rep 230. C'est pas beaucoup, ouais. Mais ça va. Franchement, ça passe, hein. Ouais. En tout cas, voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Ouais. Dites-nous si vous voulez revoir Rahim et moi dans un sparring, cette fois-ci en MMA. Avec plaisir. Et bien sûr, suivez-le, on va mettre tous ses réseaux dans la description. Donnez-lui beaucoup de force. Bah, la prochaine fois, c'est toi, tu montreras des trucs en striking. Alors. Vas-y, c'est avant bon. Avant de me prendre ouais. Vas-y. En combat. Vas-y. Et je vais travailler ma lutte, tu vas être surpris quand je vais te take down. Vas-y. Là, je veux que tu marques pour de vrai hein, le point quand même. Quand? Ah, je t'ai donné là. Ouais. Ouais, faudrait que je le marque. Ouais, faudrait que je le marque. Ouais. Mais voilà, balancez le like, envoyez du love, dites ce que vous voulez. Des pouces bleus. Cliquez partout et bisous et Jungle Squad.